La plante et la fourmi. Fable authentique en plusieurs épisodes. Nous sommes dans la forêt guyanaise. Une équipe de l'aventure des plantes trouve enfin ce qu'elle cherchait. On a commencé par les appeler fourmis parasols. On les appelle maintenant fourmis coupeuses de feuilles. Fourmis champignonistes. Ou, de leur vrai nom, fourmis Atta. Elles sont capables de dépouiller entièrement un arbre de ses feuilles, en une journée. Pourquoi font-elles cela? Et où vont-elles donc, avec leurs morceaux de feuilles qui leur donnent l'air de faire de la planche à voile? Plutôt que de descendre le long du tronc de l'arbre choisi pour victime, il y a celles qui préfèrent se servir de leurs morceaux de feuilles comme d'un parachute. Je saute ou je ne saute pas? Et puis non. Et puis si. Et puis zut. Voilà la fourmilière. Dans plus de 1000 chambres communicantes, avec les morceaux de feuilles, les fourmis font du compost et dessus, elles cultivent un champignon pour s'en nourrir et nourrir leur bébé. Le champignon produit des grappes de petites boules blanches riches en graisse et en sucre qui sont sucées par les fourmis. Et il en profite, le champignon. La fourmi, transportant des fragments de ses filaments, ne cesse de le reproduire. Il y a d'ailleurs protection mutuelle, car le champignon, grâce à ses enzymes, détruit la plupart des poisons que les arbres fabriquent pour essayer de décourager les fourmis coupeuses de feuilles. Aussi, quand une reine s'exile pour aller faire une autre fourmilière, elle prend bien soin d'emmener un peu du champignon sur lequel elle recommencera à pondre des œufs. Avant cela, pour le faire proliférer, elle lui fera pipi dessus, car le champignon se porte bien grâce à l'urine royale. Admirable symbiose, mais qui fait chaque année plus d'1 million de dollars de dégâts. Voici déjà moins grave. La plante sert de pâturage à des pucerons qui, de sa sève, tirent une sorte de miel au profit des fourmis. Celles-ci, avec leurs antennes, leur font subir des chatouillis qui provoquent immanquablement la livraison d'une goutte de miel à la pression. Mais on commence à voir que la plante, considérée comme un pâturage privé, est, à ce titre, défendue par la fourmi. Dommage ici pour la plante. La coccinelle ne cherche pas des pucerons pour les chatouiller, mais pour les manger. Pour la fourmi, c'est un voleur de bétail. Pour la plante, c'est le shérif. Mais cette fois, il perd. Nous sommes maintenant sur un arbre chinois. Les fourmis lui ont imposé un traité de protectorat. Vous nous concédez des feuilles pour installer des nids. Nos techniciens se chargent de tout. Les fourmis s'accrochent au bord d'une feuille par les pattes, au bord d'une autre par les mandibules, et voilà le travail. Après quoi, elles tissent de la soie autour des feuilles en se servant de leur bébé. Elles maintiennent ceux-ci entre leurs mandibules, la tête en bas, tout en les chatouillant de leurs antennes, ce qui leur fait baver de la soie. Elles leur en font tellement baver qu'elles arrivent à tisser non seulement 150 nids par arbre, chaque nid pouvant loger 100 000 fourmis, mais aussi des étables de soie où elles enferment des poux suceurs de sève et producteurs d'un miel dont elles se nourrissent. Du coup, l'arbre est déclaré zone militaire. Nous voyons ici se faire expulser une mouche accusée de tentative de détournement de poux. Mais quiconque veut s'attaquer aux feuilles est reconduit de la même façon à la frontière de l'arbre. Poursuivant son expédition en Guyane française, une équipe de l'aventure des plantes part à la recherche de celles qu'on appelle myrmécophiles, les plantes qui engagent des fourmis au pair. La première qui nous tombe sous les yeux est une liane qui fabrique à la base de ses feuilles des distributeurs de nectar à fourmis. Celles-ci sont nourries, à charge pour elles de protéger la plante. La même astuce est employée par cette légumineuse de la famille des mimosas. Et qui pourrait penser que certaines fleurs de la passion font du racolage aux fourmis? Ces étamines, ces ovaires brandis, et le nectar au fond de la corolle. Tout cela est exposé pour l'abeille ou le colibri, qui viendront féconder la fleur, à condition que la passiflore parvienne à grimper jusqu'à eux, au soleil. Comme c'est une liane, elle devrait y parvenir facilement, en s'accrochant avec ses vrilles, de la manière que voici, filmée en laboratoire. La passiflore devrait donc parvenir facilement au soleil s'il n'y avait pas cet empêcheur de grimper en rond, le papillon Heliconius. Il choisit exclusivement les jeunes pousses ou les jeunes feuilles de passiflore pour y pondre ses œufs. Évidemment, dès que les œufs éclosent, les chenilles se mettent à table. Il faut dire que pour le papillon, c'est vital. Et il a intérêt à bien calculer son coût. S'il s'y prend trop tard, alors que la passiflore a déjà grimpé assez haut, ses chenilles ne trouveront plus à manger que des feuilles adultes, trop coriaces, et elles mourront de faim. Il y a plus grave encore pour le papillon. Il n'approche plus la passiflore une fois qu'elle est à la lumière. Car c'est alors qu'elle trouve les moyens énergétiques de fabriquer des glandes qui distribuent un nectar spécial fourmi tant que la fleur n'est pas fécondée. Mais entre-temps, la passiflore doit se débrouiller toute seule contre le papillon. S'il pond ses œufs quand elle est encore jeune, elle subit des dégâts. Même si elle n'en meurt pas, retardée dans la course à la lumière, supplantée, c'est le cas de le dire, par tout le monde, elle n'atteindra jamais le soleil. Mais la passiflore a plus d'un tour dans son sac. d'abord, n'étant menacée que dans sa jeunesse, elle commence par faire ressembler ses feuilles à celles des plantes voisines, sur lesquelles elle grimpe. Une fois arrivée au soleil, elle fabrique de grandes feuilles, capables d'une photosynthèse plus active, lui permettant de produire des fleurs et des fruits. Seulement voilà, le papillon peut parer le coup. Il a modifié une de ses paires de pattes pour les rendre palpeuses et chimiquement sensibles à la seule feuille de la passiflore. Que faire contre cet obstiné qui a la patte baladeuse et la passiflore dans la peau? Certaines passiflores fabriquent un dispositif anti-chenille, des poils microscopiques, pointus et recourbés. La chenille sort de l'œuf et ne fait pas 3 pas. Elle est clouée. Mais voici le plus incroyable et le plus déroutant. Quand le papillon a pondu ses œufs, cela fait, sur la jeune pousse de passiflore, des petites boules jaunes. Et si un autre papillon arrive, il n'insiste pas. Trop de chenilles sur une seule feuille, elles mourraient de faim ou même se mangeraient entre elles. Alors, certaines passiflores fabriquent des faux œufs de papillon parfaitement imités. C'est la forme des œufs de papillon, c'est la couleur des œufs de papillon, mais ce ne sont pas des œufs de papillon. Le papillon croit que la place est déjà prise et il s'en va. Mais revenons à nos fourmis. Voici une plante célèbre pour sa racine, le gingembre. Sa fleur, à ce stade, est encore un bouton, formé d'écailles. C'est alors qu'elle peut tenter de vilains prédateurs. C'est pourquoi le gingembre, à ce stade, et à ce stade seulement, décide lui aussi de salarier des fourmis. Il fabrique alors ces petites glandes qui sont là uniquement pour leur distribuer du nectar à la pression. Du coup, personne d'autre ne s'approche. Et ce bar à fourmis ferme aussitôt que la fleur est épanouie. Alors, elle offre un autre nectar, le spécial colibri, fait pour attirer celui qui va la féconder, payant sa consommation en déposant du pollen sur le bar. Mais jusqu'à présent, dans cette forêt guyanaise, nous n'avons rencontré que des plantes qui fournissent la cantine aux fourmis. Il y a aussi celles qui leur offrent des logements de fonction. Ainsi, le Tococa. Il construit, à la base de ses feuilles, des pavillons de gardiennage. On voit très bien ici l'entrée prévue pour les fourmis, chargées de garder la propriété. Et voici ce qu'a trouvé le Cecropia obtusa. La tige de cette plante est creuse. Elle aussi prépare pour les fourmis un trou qui grandit avec elle, fermé au départ par une simple membrane, que les fourmis, grâce à leurs mandibules, n'ont plus qu'à finir de percer. La tige du Cecropia, comme celle du bambou, est renforcée par des cloisons. Mais le Cecropia fait la différence en prévoyant dans ces cloisons des ouvertures pour les fourmis. Ainsi, elles peuvent circuler entre les compartiments. La plante permet ainsi aux fourmis d'avoir des nurseries séparées. En échange, voyez comme elles défendent le Cecropia. Après le logement sans la cantine, la cantine sans le logement, voici la cantine et le logement. C'est ce que fait au Mexique l'Acacia cornigera, en français porteur de cornes. Il n'a pas pour autant à s'inquiéter de la fidélité des fourmis. Pourquoi chercherait-elle ailleurs? D'abord, dans chacune de ces épines creuses, il leur offre un logement, avec, là aussi, un coin pour les bébés. De plus, l'acacia fabrique sur les pétioles de ses feuilles des glandes distributrices de nectar. Mais ça, c'est pour les adultes. Il y a le menu enfant. Ces corpuscules, au bout des petites feuilles, ce sont des petits pots fabriqués par la plante pour les bébés fourmis. Contenance garantie en protéines et corps gras, spécial premier âge. Le spécialiste français Pierre Jolivet parle ici de véritable et indiscutable symbiose entre la plante et la fourmi. Nous sommes en France, au Conservatoire botanique de Nancy. Ce bulbe étrange, à l'état sauvage en Nouvelle-Guinée, s'installe sur le tronc des arbres. Il se creuse de galeries à l'intérieur pour abriter des fourmis qui lui rapportent des débris d'insectes divers dont il se nourrit. Cette fois, les fourmis chassent pour la plante. Les fourmis lorraines, amenées ici pour fournir la figuration, ne comprennent rien à l'affaire. Ce qui n'empêche pas la plante de continuer à fabriquer des galeries pour les fourmis papous, dont elle garde en somme, génétiquement, la nostalgie. Quant à Dischidia coliris, il rapproche deux feuilles pour louer des tentes aux fourmis. Et il y installe des racines pour récupérer leurs déchets. Beaucoup mieux dans le genre, cet autre Dischidia fabrique, avec ses feuilles, une urne bien close, avec une petite ouverture qui a trois destinations. Recueillir un peu d'eau, laisser passer les fourmis, et fait rentrer une racine aérienne pour recueillir en bonne paysanne le fumier de ses fourmis. Se faire protéger, nourrir par les fourmis, que leur demander de plus? Eh bien, mes labours. Voici, découverte en 1963, la plante exclusivement fécondée par les fourmis, Orthocarpus pusillus. Cette herbe a des fleurs minuscules, avec d'infimes quantités de pollen collant, discret, de sorte que les fourmis n'éprouvent pas l'envie de faire leur toilette, ce qui ferait échouer la fécondation. Vous pensez avoir tout vu? Eh bien non. Voici, pour vivre suspendu dans un arbre, comment la codonnante se fait monter un camp de base à mi-altitude en engageant des fourmis Sherpa. Et l'enchevêtre des racines aériennes de telle manière que cela constitue l'armature idéale pour une fourmilière. Les fourmis montent de la terre depuis le sol pour s'y construire une fourmilière spatiale qui est en même temps, pour la codonnante, un jardin suspendu, sur lequel, après coup, d'autres plantes viennent s'installer. Ainsi libéré des problèmes d'intendance par le jardin suspendu, voici ce qu'a trouvé le temps d'inventer l'une des orchidées les plus rares et les plus extraordinaires du monde, la coryanthe ou orchidée baquet. La coryanthe attire en exclusivité et jusqu'à 8 km de distance les mâles de certaines abeilles, les euglossines. Elle leur offre un parfum dont ils s'imprègnent pour séduire leurs femelles. Le parfum est fixé dans une cire dont le corps de l'orchidée est enduit. Avec leurs pattes antérieures munies de brosses, les abeilles le grattent, puis le transfèrent, en plein vol, dans des renflements creux de leurs pattes arrière. Comme on se bouscule, tôt ou tard, il arrive ceci. L'une de ces abeilles mâles se pose sur le bord du baquet et tombe dedans. Au-dessus du baquet, un distributeur fait tomber, goutte à goutte, un fluide qui contient un agent mouillant. Ainsi, l'abeille est vraiment immergée, et elle s'affole. Au milieu de sa panique, elle sent, sous sa patte, un renflement, comme la première marche d'une échelle de piscine. Elle s'y accroche, et là, devant elle, une seule issue, un tunnel, mais très étroit. On comprend mieux, en voyant ici, la coupe de l'orchidée. Le baquet, le tunnel ajusté au corps de l'abeille, parce qu'au moment où elle croit sortir, un mécanisme de précision la coince entre le thorax et l'abdomen. L'abeille, qui trouve que ça commence à bien faire, se débat, mais en vain. Au bout d'une dizaine de minutes, elle n'en peut plus. Mais où donc la fleur veut-elle en venir? De profil, dans cet interstice, on aperçoit deux sacs jaunes allongés. Ce sont les sacs de pollen de l'orchidée qu'elle est en train de coller sur le dos de l'abeille. Une fois que c'est bien collé, et pas avant, elle relâche sa prisonnière. Osons dire que la malheureuse alors en a plein le dos. Or, une fois sortie de ce festival de l'épouvante, que croyez-vous qu'elle va faire? Elle va repartir, se faire attirer par une autre orchidée, retomber dans la piscine, cette fois avec son sac à dos. Elle va retrouver la marche d'escalier, refoncer dans le tunnel et de nouveau y rester coincée. Mais si c'est une orchidée à son stade femelle, elle va, cette fois, se faire arracher son sac par un crochet disposé au plafond du tunnel. Voilà ce que peut faire, dans un arbre, avec une abeille, une orchidée libérée des problèmes de survie, grâce à un jardin suspendu fabriqué par les fourmis. Et voilà tout ce qui peut se passer quand la plante, à force de voir la fourmi, lui dit un jour « Et si on discutait ?»